L'apprentissage du VSV pour les gens, enfin le perfectionnement en VSV pour des gens qui font du vol de nuit, c'est capital parce que de nuit on ne les voit pas arriver les nuages. Donc c'est parfois très difficile de passer à côté vu qu'on ne les voit pas. Donc c'est absolument vital d'avoir une tenue d'avion aux instruments qui soit suffisamment de qualité. Bah, normalement, on doit voir clair avec les minimums météo qui vont bien, etc. Et tout. Mais bon, on ne les voit quand même pas, donc tout peut arriver. Et... Il faut être préparé. Et il faut être absolument préparé, sinon il ne faut pas partir en vol de nuit. Le vol de nuit, c'est une demande de tous les gens qui sont en perfectionnement. Et les gens qui voudront aller plus loin sur de la formation IFR, de toute façon, ils ont besoin de la qualif de nuit pour obtenir la qualification IFR et pouvoir se poser de nuit. Et deuxièmement, c'est quand même le premier niveau d'entraînement au VSV qui tiennent à peu près la route. Et que quand ils voleront bien, quand en vol de nuit, ils maintiennent bien leur... leurs paramètres, leur altitude, etc. et tout, ça va grandement faciliter leur pilotage ensuite en IR, ce qui n'est pas donné si on n'a pas la formation de base qui va bien. Donc le vol de nuit, ça va vraiment les aider à progresser à ce niveau-là. Je ne pense même pas qu'on puisse s'en passer en fait. Okay. Le commandant de bord en question a bien pris place à gauche. C'est absolument parfait. Il est à l'alignement. On y va ? Ouais, on y va, hein, c'est parti. Hein. C'est 1500 pieds. Hein. 1500 pieds de nuit. Et c'est un virage continu vers le 250 par la droite. Je configure le GPS pour faire une trajectoire tout su. Le bord de Rambouillet, dit RBT, et le retour à Toussu. Comme ça, et voilà. Toi, David, qu'est-ce que tu fais ? J'affiche sur mon téléphone la carte VAC de Toussu-le-Noble. Okay. Bien, le briefing est effectué. On est aligné près sur la 07 gauche. Clairance de décollage obtenue. Eh bien, oui. Donc on décolle en montée vers 1500 pieds. Ça y est. Pas d'actif, pas d'alarme. On poursuit. D'anthologie. Hein. Donc là, ce tour de piste-là de nuit, il s'effectue à 1500 pieds plutôt que 1200, le tour de piste de jour, pour pas gêner les gens qui dorment. Donc de nuit, on va utiliser le travers de Guyancourt qui arrive sur la gauche et du CEA illuminé sur la droite pour virer. Et à 1500 pieds, on va faire attention à réduire pour ne pas dépasser donc notre limitation des 100 nœuds qui s'appliquent de jour comme de nuit. Voilà, on voit que les repères sont totalement différents, mais qu'avec l'éclairage des villes qui ressemble à la réalité, on arrive à se situer par rapport au terrain et à discerner un environnement qui a quand même changé de physionomie. Voilà, on distingue notre fameuse vallée entre Châteaufort et Cressly.
Et on voit ce que tu me disais, Patrick, que le trajet Toussus-Rambouillet, qui est l'itinéraire obligatoire en vol de nuit, est en train d'être intercepté sur notre axe GPS. Voilà. Comme on peut le voir là aussi. Même de nuit, on distingue la vallée de Chevreuse. Hein. Ouais. Bah oui, il y a moins d'éclairage. Il y a moins d'éclairage, on perçoit le relief. Donc là, on est presque centré sur RBT. Ouais, on y est. On est sur le radial 231 de Rambouillet. Ce qui est incroyable, c'est que depuis le décollage, j'ai dû compenser l'avion avec un retour aux manches qui est comme dans la réalité. Ouais. Ça se veut un simulateur générique, mais... Mais quand même. Mais la réalité est bien là. Hein. Voilà, j'attends le... Tu vois, là, ici, il nous dit qu'il faut aller au 082 pour aller dessus. Mais on va pas y aller direct, donc voilà. Allez, je le freeze. Top. Je suis prêt. C'est parfait. Là, du coup, tu m'as créé sur le GPS, qui est le GTN 650, le même que dans l'avion. Tu m'as créé une trajectoire d'approche à vue sur la 07 gauche, avec, du coup, un axe horizontal et un plan d'approche vertical. Et ce qu'on va faire, c'est que pour gagner du temps, on va repositionner l'avion, le simulateur, dans l'axe de piste. Donc là, on est aligné, on est à 4 nautiques de la piste. On voit les deux pistes au loin, la 07 droite et la 07 gauche de Toussus. Voilà, et puis donc on va pour la beauté du geste et des lumières, on va se faire un atterrissage sur la 07 gauche. Puis après, on passera à l'exercice suivant. Je suis prêt, moi j'attends que tu me lâches. C'est passé, tac, 1500 tours en descente. Les volets sont sur zéro. Ok, on va le laisser réduire. On est à 3 nautiques, on a 2 rouges et 2 blanches. On est bien aligné sur la 07 gauche. Le train est sorti, on est plein riche, plein de types. Trois rouges et une blanche. C'est idéal. On commence à voir les lueurs des phares sur le sol. Check. Plein volet. Train plein chaud. Et voilà, on va le friser. Hop, je te le frise. Voilà. Ok.